faut qu'on parle. Parce que tout le monde parle de La Belle et la Bête, mais et moi, hein? Qui parle de moi? Personne! Comment veux-tu que j'arrive un jour à percer sur YouTube si on parle toujours des autres canasses qui parlent au mobilier mais pas de moi, hein? Qu'est-ce que je dois faire, hein? Bonjour, petite bougie! N'est-ce pas une magnifique journée aujourd'hui? Tiens, demandons-leur à Big Ben parce qu'on avait trouvé un nom plus intelligent pour une horloge qui parle! Moi aussi, j'aimerais bien parler au bébé Tasse! Écoute. Je sais que tu es très déçue que mes cours ne soient pas plus suivis. Mais vraiment, il faut te calmer. Les gens ne suivront pas plus mes cours parce que tu fais ton hystérique. Partage les vidéos calmement et force les gens à s'abonner calmement, une hache à la main. Pas besoin de s'énerver. Moi aussi, j'aimerais bien parler au bébé Tasse. Sa moustache me fait guérir. Alors, La Belle et la Bête, est-ce un bon exemple à suivre? Tout dépend, c'est quand même une humaine, avec une bête... Non, lâche ce chien! Déjà, on l'a tous repéré, Belle, c'est une sorcière. Elle a pas fait la Princess Academy, elle, hein, elle a fait l'école de magie. On le sait tous. Tout le monde dit qu'elle est étrange, hein. J'ai envie de te dire que tout le village fait une chanson pour dire à quel point elle est chelou. Oui, Belle est une paria. Non, et puis que tout le monde soit amoureux d'elle comme ça, même les animaux, hein. Enfin, tout le monde... Un gros lourd surtout. Elle en a de la chance. Il est génial quand même. Je sais pas dans quel monde il vit, mais Alors, comment je vais draguer une fille? Je vais lui faire une réflexion sexiste. Je vais lui dire que si elle m'épouse, elle sera ma boniche. Je vais me foutre de la gueule de son père. Je vais tuer la personne, bon enfin la bête, à qui elle tient le plus. Comme ça, tous les éléments sont avec moi pour qu'elle tombe amoureuse. Bah oui, évidemment. Je crois qu'il n'a pas non plus fait la Princess Academy. Et on en parle de porter du jaune poussin en 2017? Ah oui, mais parce que là c'est madame, ça passe, alors madame se croit supérieure aux autres. Mais moi aussi je peux en mettre du jaune. Bon, ok. Mais on est d'accord que ça va à personne cette couleur. Et puis bon, je suis la première à vous encourager à faire tout ce qu'il faut pour devenir une princesse. Mais quand même une bête. Enfin, une bête. Et après quoi? Un mort? Bonjour! Moi, c'est la princesse zoophile! Tu connais ma sœur, la princesse nécrophile? Oui, parce qu'en fait, elle ne sait même pas que c'est un homme transformé en bête affreuse. Enfin, bête affreuse. Il a plutôt une tête de petit chien battu, hein. C'est-à-dire que, à la limite, ça, c'est plus mignon que ça. Oui, parce que là, hein, ici, dans cette zone, nous avons un gros tarin de type énorme. Voilà, alors je préfère un petit museau, personnellement, hein. Enfin bon, elle, au moins, elle attend. Je crois même que c'est la seule princesse qui attend vraiment de connaître son prince avant de l'épouser. Non mais attends. Qui lui a dit que c'était un prince? Personne! Mais d'où tu prends des risques comme ça pour un mec banal? Ah, mais c'est pas ce que je vous ai appris, hein! Bon, après, elle a ses tacts héroïques typiques d'une princesse qui est la sacrification. Oui, quand on se sacrifie, oui, tout à fait, oui. C'est ça. Et là, je dois dire que ça nous fait un point commun. Hier encore, j'ai laissé la dernière part de gâteau au chocolat. Attends, tu plaisantes ou quoi? Tu m'as engueulée parce que j'avais prise. Bah oui, parce qu'on demande toujours d'abord à une princesse. Et puis non, mais c'était du chocolat. Tu sais très bien que je ne plaisante pas avec le chocolat. Le chocolat, c'est la vie. Et moi, j'ai pas le droit de vivre? Pas si tu bouffes ma part de gâteau au chocolat! Au bûcher! Avec l'autre sorcière. Bref, elle se sacrifie, on est bien d'accord. Mais le père, il insiste pas trop quand même, hein. Allez, bisous ma puce, on se vend de ses cannes. Et il espère que les villageois vont aller la sauver à sa place. Raté! Vous êtes une famille de parias! Bon, après, elle a pas l'air de trouver les choses bizarres, hein. Oh tiens, le mobilier qui parle! Bah, je vais tailler une bavette avec eux. Sorcière! Mais ils en ont rien à foutre de toi! Toi ou une autre, tant qu'il y en a une qui le baise et que tout le monde reprend forme humaine, on s'en fout, hein! Mais après, je dois dire, elle reçoit quand même des cadeaux de fou! C'est pas des fleurs ou du chocolat! Non, 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 non! C'est un miroir magique et tu peux lui demander de voir ce que tu veux dans le monde entier! Attends, des années de célibat et on va me faire croire que la bête a jamais demandé à voir un vestiaire de filles ou des gens qui baisent. Ah ben il a pas YouPorn lui, hein. Le wifi est pas terrible dans le château, il paraît. Je crois que c'est parce que Proximus a pas très bien installé la box et comme la bête ne sort jamais, bah il va jamais râler dans un Proximus shop. Logique. D'ailleurs, lui il sort jamais.
Les meubles, ils sortent jamais. Une garde-robe à la boulangerie. Bonjour, j'aimerais 3 baguettes et 15 chouquettes. Mais donc bon, on est d'accord, un meuble ne peut pas sortir aller acheter du pain. Qu'est-ce qu'il bouffe? Le mobilier? Cannibale! Alors la bête, on va arrêter de l'appeler la bête parce que je trouve ça assez dégradant. Il a pas de nom. Mais c'est vrai. Même Belle, elle l'appelle la bête. Donc quand même, on attend de le connaître avant de l'épouser, mais pas trop, hein, le prénom c'est pas important. Moi je dis ça pour toi, hein, ma grande, parce que si son nom de famille c'est Couille Molle, tu seras Belle Couille Molle, même sur les papiers officiels, hein. Sur ces bonnes paroles, la question du jour. Comment roter des étoiles multicolores? Belle Couille Molle, exemple du jour. Veux-tu répondre à cette question? Je ne sais pas, je suis désolée. Et ça se dit princesse. Il suffit d'ouvrir le gosier comme ceci. Et il suffit de laisser s'échapper délicatement les mignonnes petites étoiles de toutes les couleurs en les accompagnant d'un son mélodieux. Avant de vous quitter, j'aimerais vous rappeler que ces études, pourtant de haute qualité, sont gratuites. Donc la moindre des choses serait de s'abonner. N'hésite pas à liker cette vidéo, à me laisser des petits commentaires princiers et surtout de partager cette vidéo en masse pour que tout le monde connaisse l'histoire de la princesse Belle. Couille Molle. C'est pas pour moi, hein. Moi je dis ça pour elle, hein. Amour sur vous.